Bonjour à tous. Ce qui ne tue pas me rend plus fort. Telle une des phrases de Friedrich Wilhelm Nietzsche, grand philosophe du milieu du 19e siècle, extrait de son roman Le Crépuscule des Idoles. Cette phrase fut reprise dans de nombreux domaines, notamment dans la musique, mais surtout dans le cinéma, avec Conan le Barbare. Conan le Barbare est un film américain réalisé par John Milius et sorti en 1982. Il s'inspire librement des récits de Robert E. Howard se déroulant dans l'âge hyborien, et ayant Conan le Barbare comme personnage principal, un jeune barbare qui cherche à venger la mort de ses parents, assassiné par le chef d'une secte adorant les serpents, un film qui eut un énorme succès à sa sortie en salle. Et quand un film marche au cinéma, qu'est-ce qui se passe? Il y a des produits dérivés, il y a des suites, mais surtout on en fait des jeux vidéo. Et ça tombe bien parce qu'on va parler de l'un d'eux, Conan The Dark Ex, sorti en 2004. Donc Conan The Dark Ex est un jeu d'action-aventure sorti en 2004 sur PC, Nintendo GameCube, Xbox et PS2, développé par Coldron et édité par TDK Mediactive. L'histoire raconte celle de Conan revenant dans son village, mais le découvrant que Ruin est mort sur son passage. Un survivant lui apprend que le village a été attaqué par des personnes appartenant à une secte vénérant un vautour, qui ont emporté un étrange miroir. Conan jure alors devant Chrome de venger son peuple. Le jeu commence après quelques explications de la voix off sur l'épopée de Conan et notre premier ennemi en tant que combat tutoriel. Le hub se compose d'une barre de vie et d'endurance, la vie de l'ennemi, les attaques effectuées pour permettre différents enchaînements et le total d'expérience accumulée, servant à débloquer moult combos à la hache et à l'épée. Premier constat, les loups sont très attachés à vous, ils vous enchaînent 3 fois d'affilée si vous ne bloquez pas. Après ce combat tuto, le jeu vous informe que les actions sont possibles avec l'environnement, ce qui est plutôt cool. Par contre, je n'explique pas ceci. À ce moment, je pense que le jeu a voulu me dire quelque chose. Le jeu se compose aussi de différents items comme des potions de soins et d'endurance, des cartes d'environnement pour se repérer et d'objets de quête. Il sera aussi possible de trouver de nouvelles armes composées de masses d'armes, d'épées et de haches. Cependant, le jeu n'est pas clair quant au chemin à prendre dans certaines situations comme ici, où selon la carte, il y aurait quelque chose derrière la glace, ce qu'accentue la caméra. Mais le vrai chemin était de monter sur un arbre et d'escalader un mur. Je m'arrête un instant pour parler d'un gros problème du jeu, la caméra. Vous voyez cette icône? Elle signifie que le jeu est en plan fixe, ce qui fait que bouger à souris pour tourner le jeu en temps normal sert maintenant à tourner Conan. Et ce n'est pas évident à prendre en main. Mais ce n'est pas le seul problème de la caméra, on y reviendra plus tard. Dans le jeu, les sauvegardes se font avec des pierres sacrées que l'on trouve un peu partout. Mais on ne peut emporter que 4, ce qui oblige à faire des saves précises à certains moments du jeu. Et si comme moi vous êtes mauvais, vous mourrez au bout de 20 minutes à cause des loups. Le jeu n'est cependant pas terminé, la mort en combat n'est pas fatale, mais Conan est amené au royaume brumé de Chrome, Benmorg, où il doit montrer sa valeur en combattant des ennemis avec comme seule arme son épée cimérienne, et cela sans équipement. Mais attention, car plus vous mourrez au combat, plus vous aurez d'ennemis à combattre, ce qui vous amènera au royaume ardent de Chrome, où les ennemis se feront beaucoup plus coriaces. Après plusieurs déconvenues avec les loups, Conan arrive à trouver quelques personnes de la secte qui lui barrent la route. Conan s'en sort en les tuant tous, tandis que l'un d'entre eux s'enfuit en se transformant en vautour, et provoque une avalanche carrée, ce qui nous amène au premier boss, un ver de glace pas trop difficile. La prochaine zone étant une caverne de glace pas très intéressante, je vais passer rapidement. Plus loin, un second combat contre le ver des glaces, et Conan arrive grâce à une cascade dans un village d'arborigènes pas très enclin à la discussion, et fuit en pirogue après en avoir tué quelques-uns. Sa fuite l'emmenant à la forteresse des fantômes, composée de loups fantômes et d'un temple rempli d'ennemis vénérant à Dieu, et emmenant une femme pour la sacrifier. Des ennemis très courageux pour certains. Quand soudain, un passage Indiana Jones. Plus loin dans le temple, un autre boss, une statue de dieu, uniquement vaincable avec une statuette trouvée plus tôt. Boss pas très facile car en deux phases, frapper le cœur pour détruire la protection temporaire et lui causer des dommages sans subir de dégâts lorsque sa protection revient. Conan descend ensuite plus profondément dans la forteresse, libère la prisonnière qui se nomme Zahirim, qui se fait recapturer par des fantômes. Et second problème du jeu, vous devez tous les tuer.
même ceux qui lancent des sorts et se barrent quand vous en approchez. Après ce combat, on se rend compte que l'heure était une illusion et on descend encore plus bas pour enfin sauver Zaïrim. On arrive dans une autre pièce et celle-là, il faut tout détruire pour continuer. Et quand je dis tout, ça comprend les cercueils en bois. Finalement, ils arrivent à sortir de la forteresse et fuient en pirogue faisant route vers Cordava où la secte du vautour aurait érigé un temple. Arrivé à Cordava, c'est la fête. On se fait agresser par des voleurs, on se fait cracher dessus par un chameau, on se prend part à une bagarre de taverne, on défonce tout le monde avec un pied de table, on participe à un combat d'arène buggé. Putain, mais je peux pas l'attaquer à cause de la barrière et il veut pas venir. Allez ! Au détour d'un marché, je suis tombé sur ceci. Ceci est une quête annexe pour récupérer l'arme la plus puissante du jeu, l'épée Atlante, répartie en 4 morceaux dans le jeu, épée que je n'ai pas pu avoir car elle me manquait un morceau qui se trouvait je ne sais pas où. Mais revenons au jeu. Zaïrim nous indique alors une bibliothèque où le propriétaire peut nous renseigner sur la secte. Mais quelqu'un écoute la conversation. Arrivé à la bibliothèque, le propriétaire nous raconte tout ce qu'il sait sur la secte, qu'elle a besoin de 3 reliques pour dominer le monde, mais aussi ça alors que ces mêmes reliques peuvent détruire la secte. Mais il se fait assassiner par le nain qui écoutait plutôt la conversation entre Conan et Zaïrim, tué par Conan qui pratique le lancer de couteau, et c'est reparti pour du combat et des bugs. Conan est démoniaque, il vole! Après cela, le dernier guerrier nous apprend que Zaïrim sera sacrifié à minuit, et pouf, il fait nuit. Dans un élan de courage, Conan se la joue Assassin's Creed en escaladant un mur, court sur les toits et pénètre dans la base ennemie, pour décimer tous les gars. Il entre dans une tour où chaque étage est composé d'ennemis, et durant une énigme, un squelette arrive des enfers! Et arrivé en bas de la tour, il prend un cœur de serpent. Ah bah dis donc, les ennemis repop, dis donc, c'était imprévisible! Après avoir remonté toute la tour pour poser le cœur de serpent, ça ouvre une grille qui se trouve tout en bas de la tour. Est-ce que tu le sens le backtracking nul? Et y'a quoi en bas? Y'a des têtes de serpents qui crachent du feu, qui une fois battues, ouvrent un passage pour la suite du temple. Dans une salle, un mage s'enfuit avec Zaïrim en empruntant le miroir, et c'est reparti pour tuer des gardes ainsi que des chevaliers. Une fois la statuette de vautour prise, Conan tue encore plus de gardes et s'enfuit à cheval en direction du désert de Stygie en prenant le bateau. Traversant le désert et perdant son cheval en cours de route, Conan arrive devant des ruines où se trouvent, comme par hasard, des ennemis. Donc si j'ai bien suivi le jeu, on est dans le désert le plus aride du monde, il y a des mecs en armure qui nous attendent depuis sans doute plusieurs jours. I don't know what the fuck just happened, but I don't really care. I'ma get the fuck up out of here. This shit, I'm out. Des scorpions aussi, que l'on se débarrasse avec une catapulte en prenant bien le temps de bien la préparer afin de nettoyer un grand miroir pour ouvrir un temple où se trouvent des morts vivants égyptiens. Pourquoi pas? Une petite énigme consistant à placer du soufre vers la statue pour indiquer le chemin à prendre dans une salle. Ça n'a pas l'air bien dur, essayons. Bon ok, j'ai mal négocié la diagonale, on recommence. Quoi? J'ai glissé? Là déjà vous devez sentir la phase mal codée, fait avec l'outil. Tout ce passage n'est pas logique. Genre ici, comment je tombe alors que je suis sur les bonnes dalles? Je passe à travers? Ça là, je tombe pas mais je suis bloqué par quoi? Allô la caméra, qu'est-ce que tu fais? Bah oui, meurs devant les dalles, con de toi. Juste ce passage mal foutu est une raison de ne pas aimer le jeu. Mais c'est pas le pire, on en est loin. Après avoir passé cette connerie de passage, on arrive devant une pyramide. Voyons, pas d'escalier à l'intérieur, peut-être sur les côtés. En effet, un mur permet d'accéder au sommet de la dite pyramide, et l'accès pour son intérieur se fait par un trou. Je suis pas architecte, mais c'est très con comme ouverture. Une pyramide qui se compose au premier abord d'un couloir circulaire avec des pics au mur qui broient les personnes imprudentes. Et dans une salle, on prend une tête en pierre et une hache, ce qui a comme conséquence de faire popper des sortes de grosses mantes religieuses et aussi d'ouvrir une porte. En escaladant un mur pour sortir et prenant un bracelet de protection, on descend plus profondément dans cette pyramide mystérieuse avec des ennemis qui se battent entre eux. Oui, pourquoi pas. Dans cette zone, il faut trouver 3 clés, celle de l'eau, puis celle de la terre et celle du feu. Ces 3 clés doivent être placées dans un pilier, ouvrant un passage qui s'enfonce encore plus profondément dans une caverne de feu et de magma. Dans une salle plus loin, on rencontre des monstres et une personne qui parle de l'Atlantide,
laissant une clé en cristal à sa mort et se faisant emporter par une main céleste. Cette même clé laissant passer de l'eau pour éteindre des flammes du chemin en scénarium. Et un saut de l'ange gracieux plus tard, on arrive au domaine du feu avec un escalier qui monte beaucoup, des dragons et la prise de l'amulette. Maintenant il faut sortir de là. Mais comment faire car la lave entoure cette zone? Peut-être en utilisant cette plateforme pour aller en arrière. Eh ben non, parce que de un c'est impossible de l'atteindre, et que pour sortir, faut sauter sur les roches qui coulent si on reste dessus. Après cette phase digne d'un mauvais game designer, on sort et pouf, téléportation vers la jungle. On tue des indigènes, pourquoi? Parce que le jeu, il y a des montres religieuses sauvages, on récupère un masque, Jean-Michel Caméra qui décide de filmer ça en beat'em up contre des orang-outans, un magicien qui invoque des guerriers, la destruction d'un village, des scorpions à combattre et un labyrinthe dans la jungle. Si quelqu'un a la logique à cet enchaînement de faits, qu'il me le dise en commentaire s'il vous plaît. Parce que j'ai pas compris. Et après avoir tué un prêtre à abeilles qui est YOLO, il laisse tomber un œil de serpent qu'il faut poser dans un socle pour que Jean-Michel Cadrage fasse des montagnes russes pour montrer une porte qui s'ouvre. Après c'est la même chose, on avance, on tue des gens, on croise des liens de tentacules et une grotte pour ouvrir une porte. Et derrière cette porte y'a quoi? Devinez. Une liane tentacule géante. Pourquoi? Parce que la nature est une sale race bien sûr. Une fois battue, elle ouvre un passage vers un temple et fait tomber une hache. C'est bien connu après tout, désarmer vous donnera des armes. Dans ce temple se trouvent des squelettes mieux équipés et un prêtre de la forêt qui drop un casque à pointe. Parce que... Mais ouvre un passage pour sortir. Et grâce au narrateur, on arrive au pied d'un volcan. C'est quand même pratique d'avoir un narrateur dans ce genre de cas. Sur le chemin, on rencontre des squelettes de lave partout, et dans une grotte dans le volcan, il y a des cailloux qui tombent. Et la caméra décide de ne plus avancer parce qu'après tout, il y a des rochers qui bloquent. On rencontre des élémentaires de feu qui attaquent pendant que Connor ramasse un œil de serpent, et quand on se barre, on retourne au village des indigènes, car après tout, on n'est pas des monstres, et on les sauve en jetant des cailloux. Suite à quoi, on apprend que les membres du vautour enlèvent les indigènes pour les sacrifier. Mention spéciale à la doubleuse qui est digne de Michel Leb. Les prêtres du vautour ont réduit nos hommes en esclavage pour les forcer à bâtir une forteresse où ils enferment les victimes qu'ils sacrifient à l'intérieur de leur temple. Elle montre un chemin inconnant pour entrer dans la forteresse. Pas d'infiltration, mais du bourrinage de garde, intérieur comme extérieur. Et après, faut tuer un magicien qui garde le levier qui libère les indigènes, mais aussi un prisonnier qui devait être livré en sacrifice. Conan prend sa place pour atteindre le cœur de la secte, se faisant emmener dans le temple. Et que fait-il en arrivant? Il tue des gardes. Oui, plein de gardes. Et bien sûr, les gardes sont au taquet. Conan arrive même à en croiser dans des écuries de vautours et fait un tour de wagonnet, et tue encore plus de gardes. Puis le jeu va se corser un peu plus, car dans une grande map avec plein de couloirs et de pièces et de fissures au mur et les gardes des armures réanimées, il faut trouver la suite du chemin. Une fois le chemin trouvé, on se bat contre des squelettes et des gardes et des chiens bien codés. Arrivé dans la dernière grosse partie du jeu avec des salles composées de chiens et de gardes, Kono arrive dans une salle composée de plusieurs couloirs ardents où viennent des squelettes. Je vous ai répété que tout ce que vous avez vu jusque là, c'était rien comparé à la suite. Voilà la dite suite. Le jeu veut vous faire mourir, non seulement grâce aux vagues très longues d'ennemis qui arrivent, mais aussi que les dégâts reçus passent à travers la garde. Et en plus, le sol cède sous vos pieds, amenant une mort rapide et simple. Ce seul passage est la raison qui peut vous amener à stopper le jeu, mais si vous êtes coriace et que vous réussissez, il y a encore plus dur. La salle suivante se compose de 5 magiciens qui attaquent à distance et s'éloignent dès que vous vous en approchez trop. Et après, il y a des gardes. Encore. Et après ça, il y a des squelettes qui font bien mal, mais le pire putain, c'est ici. 6 scorpions invisibles et insensibles aux attaques, qui deviennent tangibles si on pose l'œil pour les voir. Et même comme ça, ils ne reçoivent aucun dégât. J'ai beau chercher une solution pour savoir comment les battre plus facilement, sauf qu'il n'y en a pas. On doit tous les tuer avec nos armes, qui ne font aucun dégât. Clairement, j'ai arrêté à ce moment tellement c'est frustrant. Mais pour éviter que vous jouiez à cette merde, voici la fin du jeu. Après des minutes de galère, on arrive dans une salle avec des magiciens, puis un serpent géant qui apparaît, il faut le tuer, Zaerim se libère, Conan et elle s'enfuit alors que tout s'écroule, il y a la voix off qui dit bravo, et c'est la fin. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous expliquer pourquoi ce jeu est une merde? Entre les répétitions ennuyeuses des combats, des caméras qui font leur vie, de la difficulté qui augmente d'un seul coup à la fin du jeu, de l'IA des ennemis, de la maniabilité discutable de Conan,
et surtout de la cohérence inexistante de l'histoire, ce jeu n'aurait pas dû sortir avec tous ses problèmes. Et c'est dommage, car Conan, c'est quand même un personnage qui a bercé l'enfance de beaucoup de personnes. Et rendre ce personnage aussi mauvais dans un jeu, c'est un manque de respect impardonnable qui le décrédibilise dès les premières minutes. Merci à tous d'avoir regardé ce rétro jusqu'au bout en espérant qu'il vous ait plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à la commenter sur votre expérience sur le jeu, à la partager, à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour un autre rétro.